En mission d'évaluation de la situation sécuritaire, d'inspection des troupes et des commandements en province de l'Ituri, le chef d'état-major général de forces armées, le général d'armée Mbala Moussin Sécélestin, a premièrement échangé avec le réseau des femmes leaders et le membre de la société civile. Question d'obtenir leur adhésion massive pour la réussite de l'état de siège. Annie Maudit, coordinatrice des caucus de jeunes femmes leaders, déclare que les femmes sont déjà en action pour la restauration de la paix en Ituri et appelle les femmes à adhérer massivement au sein des forces armées. Notre rôle en tant que femme est d'appuyer sur notre corde de maternité, sur notre corde de sensibilité humanitaire pour transformer ces hommes, ces jeunes hommes ainsi que ces femmes qui ont choisi un mauvais côté à se transformer en acteurs et actrices pour la consolidation des paix. Les coordonnateurs de la société civile de l'Ituri s'est lui aussi inscrit dans la logique d'accompagner l'administration militaire mais attend des actions concrètes du haut commandement de l'armée. Le chef de l'armée nous a dit qu'il a bien écouté notre préoccupation. Il a promis des réponses incessantes pour toutes ces préoccupations que la population de l'Ituri ressent à ce moment. Il appelle la population à l'apaisement. La présence du chef d'état-major général de forces armées à Bounia s'est aussi donné de nouvelles directives opérationnelles afin d'en finir avec le groupe armé en Ituri et restaurer l'autorité de l'État. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi, en territoire du Rumu. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis le premier mois de l'état de siège pour traquer les terroristes ADF et leurs alliés, jadis auteurs de l'insécurité. L'air est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. De malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres, que la population regagne leur maison, car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débâcle infligée aux ADF et leurs supplétifs dans la région de Boga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FRDC avec 20 armes. Après avoir stabilisé la situation sécuritaire, si la RN27 axe Bounia-Mahagi place maintenant à la réhabilitation de 109 km sur cette route, intérêt économique, ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparer sur financement du gouvernement militaire de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers, les habitants, les entités environnantes. Une joie pour le chef Koutimi qui sollicite l'accompagnement de tout un chacun pour ses débits jusqu'à la fin de ses travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que sur la route, il n'y a pas de développement. Pour le développement. Signalons qu'en cette période d'état de siège, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre dans la réhabilitation des tronçons Bounia-Kassény, Bounia-Komanda, Komanda-Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bounia. Preuve de la détermination et la volonté du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny, a apporté un changement intégral à Ituri. Sèche,
8 criminels, dont une femme, une arme AK-47, ainsi qu'un sac contenant une quantité de chanvre, ont été présentés ce jeudi 28 octobre 2021 au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, en son cabinet de travail. C'est le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, qui a procédé à la présentation. En effet, ces groupes planifiaient l'assassinat d'un changeur de monnaie connu sous le nom de Akili Batengere. Ils auraient déjà commis d'autres crimes dans la ville de Goma. Et un voleur, avec sa femme, aussi présenté, leur maison servait de cachette des différents articles volés et du chanvre. Ils nous ont donné toutes leurs manœuvres. C'est ce qu'ils font d'habitude, excellence. Voilà. Et pas plus qu'hier, nous avons encore mis la main sur un autre. On a dévalisé une boutique. Tout était parti dans la boutique. Et le matin, ma police criminelle est allée quand même tomber dans la maison où tout cela était gardé. On a retrouvé tout et la victime est venue à témoigner. Et le monsieur était ici, c'est lui, je me demande, il a transporté tous ses effets. Voilà. Il a transporté ses effets par quel véhicule, c'était comment, pour amener dans sa maison, puis c'est trop loin là-bas, là où on avait volé une distance. Voilà un peu des gens qui nous défient, excellence. Ils sont armés, ils ont ceci et cela. C'est toute une équipe organisée. Ce sont des gens qui ont tué des cambistes à travers cette ville. Nous avons compris leur modus operandi. Le gouverneur Constant Dima a félicité les éléments des forces de l'ordre pour ce joli coup de filet réalisé et cela permet à la population de recouvrer sa quiétude avec tous les efforts consentis en cette période de l'état de siège. Nous ne lâcherons pas. Nous devons continuer. Dès que vous avez des informations, merci pour l'équipe que vous avez mis en place qui doit continuer son travail et nous allons continuer dans les tracks, dans les bouclages, dans le ciblage des maisons, s'il y a des renseignements sûrs, et ainsi de suite, pour donner la paix à notre population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher tous les autres malfrats qui conjuguent avec ces groupes, dont le chef de bande déjà identifié. Remise d'un troisième lot d'engins roulants aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ce 1er novembre 2021. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongwa, qui a procédé à la remise officielle de cette dotation qui s'inscrit dans le cadre de la montée progressive en puissance des forces armées engagées sur différents fronts, dont cette partie de la RDC, sous état de siège. Le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion exhorté les bénéficiaires à l'utilisation pour des raisons de service. Depuis la proclamation de l'état de siège, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, nous avait dit en consigne que l'état de siège sera monté en puissance au fur et à mesure du moyen de l'État. Le moyen de la République. C'est-à-dire, nous vous remettons cet outil de travail ce jour. C'est pour vous faciliter l'itinérance et être à côté de vos éléments, aux côtés de vos unités, pour renforcer la sécurité dans vos entités et assurer donc le bien-être de la population. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, le commandement de la police nationale congolaise, le centre de coordination des opérations, les secteurs opérationnels Sokola 1, axe sud et nord, la 34e région militaire, le 33e groupement naval et une ambulance pour l'hôpital militaire, des véhicules pimpants neufs ont été remis pour améliorer l'itinérance pendant cette période cruciale au Nord Kivu. Rond-point Namoulis de Kichanga, territoire de Masisi, envahi ce lundi par une foule compacte, pas pour un meeting populaire, mais pour être témoin de la reddition du général autoproclamé Kapitula Balikafa Eli, numéro 2 de la rébellion de la PCLS, venu se rendre avec une trentaine d'hommes et une vingtaine d'armes. Mimi ni commandant Sego wa général Janvier. Na ikiwa nimefika hapa sijitume mimi mwenyewe. Na sifika sema niko natoroka hapana. Lakini kitendo nimefanya hapa siku sichache mtamuona naye karairi anasimama hapa anabasalimia saa kidini niko nawasalimia. La société civile noyau de Kichanga salue la reddition de ce numéro 2 de la PCLS qui a officiellement remis ses hommes et armes au commandant Sokola 2, le général de brigade Mwehulumbo Evariste. Cette reddition c'est un symbole fort pour la paix
en chefferie de Bachali. Cela prouve en suffisance que les APCLS qui restent aussi dans la forêt et vont emboîter ce pas de ce que Élie vient de faire. Pour le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, porte-parole Sokola 2, plus rien n'empêchera les FARDC à débarrasser Massissi des groupes armés. Aujourd'hui, vous venez de voir qu'il y a encore une trentaine d'éléments qui viennent de se rendre, mais aussi on vient de vous présenter plus de 24 armes. C'est pour vous dire que le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 s'attelle chaque jour qui passe à matérialiser le je veux du chef de l'État, lequel je veux consiste à pacifier toute la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà le pourquoi de l'état de siège et voilà pourquoi tout le monde doit mettre la main à la pâte. Une fois de plus, nous l'avons dit la fois passée, incessamment Massissi sera déclaré comme un territoire sans activisme des groupes armés. Depuis le début de l'état de siège, le secteur opérationnel Sokola 2 vient de récupérer 549 armes, dont 287 pour les redditions et 262 issues des opérations, avec 921 rendus. Dans le cadre de la troisième phase de la patrouille conjointe régionale Ouganda-RDC au lac Édouard, l'unité nationale de surveillance du lac Édouard, sous l'impulsion des autorités de l'état de siège, déterminée à assainir le lac Édouard sur ordre du contre-amiral Egide Ngoy John, commandant du 33e groupement naval avec l'appui du projet LIF de RDC, a incinéré dans l'avant-midi du 28 octobre 2021 à Vichumbi 54 pirogues, 5 scènes de plage et 45 tas de filets prohibés. Le capitaine de vaisseau Amisi Wanyata, commandant de la 333e base navale à Vichumbi, promet amplifier les patrouilles sur le lac, mais aussi poursuivre l'ennemi qui insécurisait les pêcheurs sur le lac jusqu'à son dernier retranchement. Il s'exprime en ces termes. Actuellement, vous voyez maintenant le travail que nous venons d'accomplir pour le faire voir maintenant ce que nous, c'est juste derrière, plus cesser de continuer. Mais nous continuons jusqu'à la fin pour terminer presque les derniers clandestins dans ces lacs. Pour ingénieur Simba Kasongo, l'officier de pêche de Nyakakoma, l'assainissement du lac Édouard avance à pas de géant et depuis que la force navale a chassé les groupes armés autour du lac, la pêche illicite est en train de disparaître. Les patrouilles commencent déjà à donner des bons fruits par rapport à l'ancien temps. Il y a diminution des pêcheurs clandestins sur le lac et nous commençons déjà à produire des bons poissons, des poissons de bonne qualité. Notons qu'après l'incinération à Vichumbi, le même jeudi 28 octobre dans l'après-midi à Nyakakoma, une pirogue, trois scènes de plage et plus de 60 tas de filets prohibés. Et le vendredi 29 octobre à Kiavinyongé, 19 pirogues et plusieurs tas de filets ont été incinérés devant les services techniques de pêche pour chuter à Lounia-Sengue où on a incinéré un tas de filets et trois pirogues. C'est dans cette localité montagneuse de Nyamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la PCLS, avec 24 armes, se sont rendus au FARDC au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade, Mwehulumbu Evariste, commandant Sokola 2. Pour les porte-parole Sokola 2, le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armé. Nous venons de vous présenter 96 armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Ufamando 1 aidé contre les groupes armés IPDC de Mahachano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons, au cours de ces opérations, neutralisé le général autoproclamé Aguma, qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 profite de cette occasion pour vous dire qu'incessamment, nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège.
La population de Nyamitaba se réjouit de ce mouvement de reddition car, dit-elle, la paix va s'installer dans leur milieu. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons c'est qu'on mobilise presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et rejoignent la part de ces. Tous ces rendus seront pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Le gouverneur des provinces du Nord Kivu a assisté la famille des triplés nés à l'hôpital de référence Sebeka Virunga dont la mère est décédée à l'accouchement il y a de cela 8 jours à Goma. Pour marquer l'humanisme du gouverneur militaire, l'experte en son cabinet, Madame Priska, a remis une enveloppe au père des orphelins en présence du médecin directeur de l'hôpital provincial du Nord Kivu. C'est dans le but de la bonne prise en charge de ses enfants, 2 garçons et 1 fille, nés prématurément comme l'atteste le docteur Matata, pédiatre et médecin directeur à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Ces triplés sont en train d'être pris en charge. Ils sont d'abord prématurés. Ils sont tous de faible poids de naissance, ce qui rend encore compliqué leur prise en charge. Les veufs et pères des orphelins gardés en néonatologie n'a pas manqué des mots à l'égard du chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Nico Fier, non, oui, excellence militaire. Constant, Ndima Kongban, comme gouverneur et militaire, au état de siège. Donc, je suis sûr que je suis pas. Parce que, au départ, et en dehors, il y a mon objectif, c'est le coulette. Il n'a tourné chaque ou comme tout à Nord Kiv. Parce que, même dans des choses, c'est purement social, on a été impliqué. Si jamais il y a Malemu, dans Charles Kakoul, en bas de Toyage, je suis sûr que. Priska Luanda Kamala, experte au cabinet du gouverneur, revient sur la motivation de ce geste. De province, le lieutenant général Constant Dima, il a été informé qu'il y a une maman qui a mis au monde des triplés et à l'occasion, elle-même, elle est décédée. Alors, et lui, en tant que parent, ça lui a fort touché. Il nous a mobilisé son équipe pour venir assister les enfants qui sont restés. Mais pour aussi présenter les condoléances au papa qui reste avec une charge qui n'est pas facile de garder ses enfants. 1850 grammes, 1700 grammes et 1600 grammes, c'est le poids à la naissance de chacun des triplés dans l'évolution clinique et statutaire. Du 24 au 30 octobre 2021, tous les responsables militaires experts de la question défense et renseignement de la communauté de développement d'Afrique australe se sont réunis à Kinshasa dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. C'est le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Jean-Claude Yave, représentant personnel du chef d'état-major général, qui a présidé l'ouverture et la clôture de ces assises en présence des délégués des 15 états de la SADC. Il suffit que les états s'engagent avec détermination pour la réalisation des objectifs retenus. J'ai la ferme conviction que vos analyses et évaluation de la situation sécuritaire au niveau mondial et régional apporteront un éclairage sur les pistes de solutions appropriées. Ainsi, les conditions propices à la paix et au développement pourraient-elles s'installer durablement dans l'espace de la SADC. Tout en souhaitant à toutes les délégations un bon séjour à Kinshasa, je déclare ouvert et plein succès aux travaux de la 43e réunion du disque. À la clôture de cette 43e réunion du Comité permanent de défense et renseignement de la SADC, ce 29 octobre 2021, 2 temps forts sont à relever, à savoir la passation de commandement entre le président du disque sortant, le lieutenant-général José João Massano d'Angola, et l'entrant, le général-major Michel Mandiangou Mbala de la République démocratique du Congo. La durée de la présidence est de 1 année. Les conclusions des travaux et les échanges que les experts ont pu avoir au cours de cette réunion constituent, par leur qualité, certains permettant de poser
les bases d'un avenir rassurant pour notre organisation régionale. Notre pays croit qu'en travaillant ensemble dans la confiance, la tolérance et la solidarité, la SADC sera très puissante et pourra relever plusieurs défis au plan de la défense et sécurité, ainsi que du développement intégral de la région. Pour terminer mon propos, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon retour après ce bref séjour à Kinshasa. Sur ce, je déclare close les assises de la 43e réunion du DISC. La 44e réunion aura lieu à Eswatini au mois de mars 2022 où le Botswana prendra les commandes de la 45e réunion. Une photo des familles a clôturé ces assises. Le 1er novembre 2021 s'est ouvert dans la base militaire de Kitona un séminaire de 5 jours, du 1er au 5 novembre 2021, concernant les commandants d'école, centres d'instruction ainsi que les directeurs d'instruction. Le séminaire a pour thème la formation de base sur la prévention du recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats. Organisé par le service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CECAS en sigle. Nous signalons la participation du représentant du commandant général des écoles militaires. Le séminaire est appuyé par l'Institut d'alerte pour les enfants, la paix et la sécurité. Plusieurs mots de circonstance ont été prononcés, tels que le mot du représentant du commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CECAS en sigle, le mot du représentant du commandant général des écoles militaires, ainsi que le mot de l'officier de liaison de l'Institut d'alerte. Le lancement a été fait par le commandant de la base militaire de Kitona, adjoint en charge d'administration et logistique en ces termes. Au nom du commandant de la base militaire de Kitona, nous tenons à remercier le mot de bienvenue à la délégation et à les partenaires d'aller d'avoir une opportunité de venir poursuivre la formation, surtout pour nos écoles représentées ici par les commandants de bois. Et nous demandons par la même occasion à tous les récipiendaires de bien suivre cette formation pour qu'à leur tour, ils puissent donc relayé au niveau des écoles et au niveau des unités. Cela étant, au nom du commandant de la base militaire empêché, je déclare ouvert donc les séminaires sur la prévention et l'utilisation des enfants comme soldats. Je vous remercie. En ces jours de travail dans la province du Lualaba, le commandant du 13e régiment infanterie de la garde républicaine en charge du Grand Katanga a inspecté l'évolution du travail abattu par cette unité spécialisée et en prêté serment de défendre le territoire national et faire régner la paix sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans la ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba. Une marche de dissuasion a été organisée le samedi 30 octobre 2021. Le point de départ était l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi en passant par la route Kazembe qui mène vers l'hôtel du gouvernement provincial et le rond-point Mwangeji. Ils sont passés aussi par le rond-point de l'indépendance et le rond-point Mariapolis. Le colonel Kumbi Ndombasi Daniel et sa suite sont arrivés aussi à la poste au centre-ville
à la cité Jekamine Moussonoï, Kapata, la route bypass ainsi que la route nationale numéro 39. Cette caravane avait pour but de permettre au colonel Kumbindombasi Daniel de se rendre compte du travail abattu par la garde républicaine dans la province du Lualaba. Rappelons que la garde républicaine, avec l'appui du gouvernement provincial, est d'un apport considérable dans la traque des réseaux des bandits qui s'illustrent ce dernier temps dans le vol des câbles aux tensions de Nseke.